Hey yo tout le monde, c'est Darka, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'Obscur Clan qui j'espère vous fera plaisir. Aujourd'hui je vais vous présenter un gros gameplay ainsi que des nouveautés depuis la mise à jour que vous n'avez peut-être pas encore vu, mais c'est vraiment des choses très intéressantes de ce gameplay. Aujourd'hui on retrouve Obscurtico qui nous a réalisé une double nucléaire simple sur la map Town. Et oui, c'est du Nuketown, je vous comprends si vous en avez marre de cette map. Moi-même j'en ai marre de commenter ceci, mais c'est les seules maps, enfin c'est la seule map où les players arrivent à se régaler. Malgré cela, c'est quand même un beau gameplay, une double nucléaire en simple. Respect franchement aux joueurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Il a atteint récemment le cap des 1000 abonnés, donc ça me ferait extrêmement plaisir si vous alliez faire un petit tour sur sa chaîne. En plus, il est tout nouveau dans l'obscur. De ce qui est de ma chaîne aussi, ça me ferait extrêmement plaisir si vous alliez vous abonner à ma chaîne YouTube. Bon, moi j'ai atteint seulement le cap des 100 abonnés, mais ça me ferait quand même plaisir d'augmenter. Je vous en remercie par avance pour les personnes qui s'abonnent, ça m'aiderait vraiment énormément. Encore merci. On est parti directement avec le sujet, donc je vais vous présenter 5 tenues et apparences des spécialistes. Vraiment des apparences et des tenues qui sont vraiment énormes. On va plus parler des apparences aujourd'hui, je vais vous afficher quelques screens. N'hésitez pas à me dire lequel d'entre eux vous préférez. Pour ma part, ce sera celui qui représente un diable. On est parti tout de suite, je vais vous afficher les screens. Alors pour le premier, on a le droit à une femme qui fait assez flipper par rapport à son regard. Et voilà, il y a quelques taches de sang ainsi qu'un gros suçon, je sais pas quoi, elle s'est fait mordre sûrement par un vampire ou je sais pas ce que c'était. Mais vraiment c'est bien dans le thème d'Halloween, je pense qu'ils ont fait exprès de le sortir à ce moment là de l'année. Et vous allez voir que par rapport aux autres, c'est vraiment dans le même thème. Et franchement, merci à eux pour ce qu'ils nous offrent là parce que c'est vraiment très sympathique. Je vais pas forcément tous vous les présenter parce que je juge ça un peu inutile, mais voilà, je vais vous dire ceux que je préfère et ceux que les membres préfèrent. Donc par exemple, celui-ci vraiment est très sympathique, c'est le préféré de Warnix. Pour ma part, je le trouve banal, il est pas non plus exceptionnel, mais il est plutôt sympathique. Pour moi, celui que je préfère, c'est celui qui arrive, c'est celui qui représente le diable, comme je vous l'ai dit. Il ressemble à Hellboy, un super-héros d'un film qui date quand même. Pour dire que c'est un des meilleurs, franchement il est vraiment vraiment très joli. Aussi, comme vous pouvez voir sur certains des spécialistes, il y a une nouvelle tenue, c'est à dire que sur les épaules il y a des genres de pics comme ça avec des grosses taches de sang. Et ça c'est vraiment très 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 joli. Donc bien sûr vous ne pouvez pas les débloquer en faisant des kills ou en faisant des missions tout simplement. Vous pouvez juste les débloquer avec le marché noir dans des largages de ravitaillement. Ouais, comme d'hab, c'est vraiment chiant, mais voilà, il faut payer ou alors faut vraiment gagner beaucoup de clics cryptage pour avoir la chance de gagner ces spécialistes, ces tenues et ces visages. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire qui fait toujours plaisir et un petit partage qui nous aiderait beaucoup. Donc voilà, moi je vous dis peace les gens, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de Jiko. Moi je vous dis peace les gens, c'était Darka, allez, ciao.